va où là? Eh ben, je sais pas. On va essayer de trouver un endroit pour jouer. D'accord. Tiens, bah là. Par contre, il faut trouver un support pour fixer le volant. Ouais, c'est super. Avec. Vas-y, donne. Lève, hein. Ok. Alors en fait, ça se fixe assez simplement, tu vois. T'as ce système là. Ouais. Tu dévisses. Tu fixes comme ça. Tu visses un petit peu. Et tu refermes. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, une fois que c'est fixé, ouais, tu peux enlever juste le volant, tu vois, si tu veux le ranger. Et les trucs de fixation. Ouais, alors ça. Ça se branche. Parce que bon, c'est wireless, mais pas totalement. Ouais, d'accord. Voilà. Ah bah voilà. Voilà. Et ton bel objet du coup. Non mais c'est un bel accessoire, de toute façon tu vois le tu vois il y a le grip transpiration, ouais, ce qui est super agréable, tout, tout en chrome, non, puis même le volant est joli quoi. Bon, on s'y met. Allez, c'est parti. Bah si tu veux, au début je pensais que le jeu allait me faire mieux jouer, et puis pas du tout. Clairement il t'a pas fait mieux jouer, ça je confirme. Salaud. J'étais un petit peu déçu en fait, parce que je trouve le retour de force sur PGR 3 là en l'état quand même assez timide. J'aurais bien aimé que le volant réagisse vachement plus, mais ça donne quand même de bonnes sensations, et surtout l'ajout est quand même assez évident par rapport à une version sans retour de force. D'ailleurs le retour de force ne fonctionne que quand t'es en secteur, donc tu peux facilement voir la différence si t'essayes avec pile, et c'est juste un autre monde. T'as ce grip que tu sens vraiment en main, le petit bruit de roulis que j'ai trouvé super sympathique. J'ai vraiment eu un seul souci, c'est que la pédale de frein est super sensible, et à peine le pied posé dessus, on freine. Ouais, le coup de la pédale de frein, ça c'est un peu galère, parce que t'es vraiment obligé de garder ton pied en l'air, et ça fatigue le muscle, et c'est un peu chiant. Mais c'est, enfin moi j'ai adoré quoi, je trouve ça génial d'avoir la sensation du retour de force, même s'il est encore un petit peu timide, parce que probablement qu'il a été développé assez rapidement. Et puis bon voilà, c'est le premier jeu à l'utiliser, il faudra attendre Forza 2 pour le voir exploiter à son plein potentiel, mais pour l'instant moi je trouve ça vraiment sympa, et voilà. Personnellement j'ai eu quelques petits soucis au niveau de la conduite. J'attends Forza 2 non pas pour qu'il exploite le potentiel du volant, mais que pour Forza et le volant utilise mon potentiel de conduite, qui est tout de même exceptionnel, je pense. C'est écrit facile en plus sur sa gueule. Oh non! Alors, tes premiers pas dans Stalker? Dépaysé, ouais. Vraiment, ouais, c'est arrivé dans cet univers, t'es vraiment pris par une ambiance, quoi, et j'ai trouvé ça super bien foutu. C'est vrai que le début du jeu est assez impressionnant à ce niveau-là, enfin, en plus tu commences, tu vois, dans le bunker du marchand qui te recueille, en 5 minutes t'as ta mission, et puis on te balance dehors, et là, waouh. Ouais, c'est-à-dire que t'arrives vraiment dans cette espèce de camp de survivants presque, hein, que ce que sont les stalkers, entre le mec qui joue de la gratte, l'autre qui se découpe son saucisson, ouais. Alors par contre, c'est marrant parce que la première mission, enfin je sais pas comment tu t'en es sorti, mais personnellement je me suis fait les déchirer quoi, J'ai eu aussi beaucoup de mal parce que si tu veux, stalker, je voyais tout de suite le côté un peu bourrin, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Je m'attendais à un truc où il fallait foncer dans le tas, et en fait j'étais super surpris parce qu'il faut la jouer fine, essayer de se cacher.
Il y a un côté tactique qui apparaît dès le début, qui est assez surprenant, enfin quand tu t'y attends pas. Oui. C'est vrai que je m'y attendais pas. Par contre, là où j'étais surpris, c'est que le look du jeu est plutôt réaliste. Donc, pour moi, c'était vraiment genre, tu as une balle dans la tête, le mec est mort, ouais. Et, pareil pour toi. En fait, c'est tout le contraire parce que une des surprises du jeu, c'est que l'aspect RPG le plus prédominant, il est mêlé, vraiment mêlé au gameplay FPS. Oui. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui est level up, XP, etc., c'est absolument pas présent dans le jeu, t'as pas de statistiques à ce niveau-là. Oui. Mais en fait, ça passe, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, pour moi, ça passe par l'arsenal et par l'équipement. C'est vraiment selon l'arme que t'as entre les mains que ça se passe. Et du coup, je pense que plutôt que d'aller leveler up, tu vois, comme dans un RPG en allant tuer des ennemis en faisant de l'XP, tu vas aller trouver de nouvelles armes, trouver des munitions, parce que les munitions, il n'y en a pas beaucoup. Et oui. Ça, c'est, trouver de l'argent c'est aussi. Partie du truc, trouver de l'argent, faire du troc, etc. Et je trouve que ça se substitue vraiment bien à un système d'XP et c'est vachement mieux intégré pour un FPS, tu vois, que si ça avait simplement balancé des statistiques, tu vois, comme n'importe quel RPG de base, quoi. Et c'est plutôt intelligemment fait, quoi. Et pour en revenir à la partie FPS à proprement dite, ouais. J'ai vraiment aussi été agréablement surpris, ne serait-ce que par l'agencement des niveaux, c'est-à-dire que ce premier avant-poste là où on se bat est en ruine, tu peux arriver par plein d'endroits différents, les maisons sont complètement explosées, donc tu peux aller par le toit, par l'arrière, etc. C'est vrai que tu te sens vraiment totalement libre et à ce niveau-là, c'est vraiment dans la ligne directe, tu vois, de la grande tradition de FPS PC, tu vois, un peu tactique, assez pointu et exigeant. Puis après l'attaque de cet avant-poste, il faut forcément retourner au premier camp de Stalker. Ah ouais. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes premières surprises, c'est-à-dire que j'ai voulu m'éloigner un peu de la route et j'ai commencé à entendre des grognements, des choses comme ça. Faut pas s'éloigner de la route. C'est clair, je l'ai appris à mes dépens. J'ai pris mes jumelles et je voyais quoi en fait au loin? Deux taches noires. Donc je prends mes jumelles, ça zoom. Mais c'est des... Oui, enfin je l'ai fait aussi, tu vois des chiens en fait qui... Enfin, moi j'ai vu des chiens qui poursuivaient un espèce de gros cochon bizarre au loin, des meutes d'animaux étranges qui couraient dans la forêt. Enfin, ça, moi j'adore quoi, tu vois, le fait de pouvoir à un moment donné t'arrêter sur la route, de prendre tes jumelles, de regarder ce qui se passe et d'assister à des trucs dégueulasses. Ou, tu vois, c'est le genre de choses qui n'existe pas dans les FPS traditionnels, ouais. Tu vois. Et c'est vrai que graphiquement, même si bon bah on sait pas Crysis, c'est pas voilà le. C'est vrai que le jeu a quand même 5 ans dans le dos, donc c'est. Il se tient hein. Mais il se tient carrément, ouais. Visuellement, c'est y a vraiment rien à dire et ça tourne bien. Bah, c'est-à-dire que graphiquement, je pense que les mecs ont plus fait un travail sur les décors et la nature pour que tu sois immergé plutôt que sur les modélisations des persos. Ouais. Le jeu a une ambiance qui est quand même au-dessus du lot, je pense, tu vois, de toute la cour de FPS, etc. C'est vrai clairement. Que Stalker se démarque par son ambiance. Et c'est vrai que tout ça. Plus les éléments RPG, tu vois, qui te permettent de rentrer encore plus dans ton personnage, ça te donne vraiment l'impression d'être là, à Tchernobyl, et c'est génial. Après la première scène de combat, j'étais sérieusement en rate de munitions, et en arrivant au camp, j'ai vu un mec qui était dans son coin, je me suis dit, bon, je vais le poinçonner au couteau, non. Et puis bah ouais. Quel escroc. Je l'ai fait discrètement, c'est passé, j'ai eu aucun problème, et voilà. Et ça se trouve, si je l'avais fait devant tout le monde, et bah, ça aurait été le branle-bas de combat, et j'aurais pris ça probablement, dans c'est la clair. Carcasse, quoi. Ah putain, j'aurais pas osé faire ça, tu vois. Et comment tu t'en es sorti, toi, pour le passage du pont, là? Bah c'est bien simple, une fois de plus, je l'ai joué à la RPG cool, c'est-à-dire que je me suis approché en baissant mon arme parce que j'ai vu que c'était hostile, mais qu'ils avaient pas l'air de tirer à vue. Ouais. Alors je m'approche et je vais parler au mec et je lui dis j'ai besoin de passer de l'autre côté du pont. Uh-huh. Le mec me dit non, c'est interdit, machin. Je fais ouais, j'ai vraiment besoin de passer. Et le mec me fait bah pour 500 roubles, je dirais que j'ai rien vu. Et donc je suis passé comme ça. C'est pas vrai. Si. Ah, mais j'ai pas du tout fait ça quoi. Ah t'as fait quoi? En fait j'ai même pas pensé à aller lui parler. Effectivement, non mais je me suis approché pour voir s'il était hostile. J'ai vu qu'il s'affichait en rouge sur mon pointeur, donc c'était clairement pas un pote, mais. Et en fait j'ai tenté le tout pour le tout, c'est-à-dire que j'ai foncé en fourbe, j'en ai buté un au fusil à pompe et j'ai couru pour aller me cacher dans une usine désaffectée un peu plus loin. La tristesse, le lapin qui court à toute vitesse. Exactement, j'ai fait le gros lâche quoi, mais je t'avoue j'ai même pas pensé à aller lui parler quoi. Par contre j'avais essayé de faire un autre truc qui est pas passé. Ouais. J'avais essayé en fait, tu vois, au-dessus de ce pont tu as des grillages, je me suis dit peut-être que je peux essayer de passer par-dessus les grillages et direct. Et en fait non parce que je passais directement dans l'autre zone quoi. Mais c'est quand même un. Je dirais pas un défaut, enfin quand même si, quelque part. C'est vrai que d'un coup, arriver à des espèces de passages obligés comme ça, comme le pont, tu ne peux passer que par le pont, c'est-à-dire que t'as aucune autre possibilité que de passer par le pont, bon, ça fout un peu les boules, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Au niveau de cette fameuse immersion qui promet tant, tout d'un coup, de ne pas pouvoir prendre ce genre d'initiative. C'est vrai que ça te casse un peu le délire. Voilà. Bon, puisqu'on en est au défaut, moi, il y a un truc qui m'a énormément frustré et qui m'avait déjà frustré dans Dark Messiah of Might and Magic. Mm-hmm.
C'est l'inventaire qui ne se stoppe pas. Ah, ça t'oblige, quand tu veux aller prendre un medikit, bah, à te barrer, à te retrancher et à pas rester, tu vois, en face de ton ennemi, hop, échappe, medikit, tu reprends ton truc comme si de rien n'était. Et, finalement, je trouve que ça colle plutôt bien à l'esprit du jeu, quoi. Autant je suis le premier à dire que les combats de Stalker sont ultra difficiles, autant je peux pas m'en plaindre, quoi. Parce que justement, ça fait tellement longtemps, tu vois, que j'ai pas eu l'occasion d'avoir du challenge. Des affrontements avec du bon challenge comme ça, des ennemis qui sont pas trop cons, tu vois, et puis la possibilité vraiment de, tu vois, quand tu meurs, de vraiment te dire, bon, alors là, comment est-ce que je vais l'attaquer ce coup-ci, puisque là j'ai pas réussi, comment je vais faire et tout ça. C'est vrai que bah, le fait d'être obligé aussi de tenir compte du fait que quand t'as plus de vie, bah, il faut te retrancher, sortir ton medikit, peut-être aussi des fois simplement sortir tes bandages, ou tu vas boire un coup si ton personnage est un peu assoiffé, etc. Finalement ça fait partie du gameplay c'est totalement cohérent, quoi. Ça fait longtemps que je me suis pas retrouvé devant un jeu où après quelques heures, tu vois, t'as vraiment l'impression d'avoir vu qu'une petite portion du jeu. Ouais, tu vois, c'est clair. Et pas d'avoir déjà rodé les trois quarts du gameplay. Entre ce que tu me racontes et ce que voilà, moi j'ai vécu. On a déjà eu des expériences complètement opposées. Et c'est vrai que comme tu dis, on a l'impression d'avoir vu très très peu d'un gameplay qui a l'air ultra riche. Ouais, exactement. Et donc si au bout de 3 ou 4 heures de jeu pour toi, qu'est-ce que ça donne déjà, et ça sera au bout de 20. À côté, étant donné que tu vois, la partie FPS est vraiment bien soignée et que ça reste quand même le cœur du jeu, hein, il faut pas. Oui. Je veux dire, Stalker n'est pas un RPG, c'est un FPS. Matinée de RPG, exactement. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à mêler ça intelligemment, c'est-à-dire que il a pas le cul entre deux chaises, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et ça donne un jeu qui est quand même, mine de rien, assez unique, quoi. On est vraiment très loin de Boiling Point et de tous ces coups d'épée dans l'eau. Non, vraiment, là, en tout cas moi, sur mes trois premières heures de jeu, Stalker, je trouve que la formule est super solide. Getting sat intel on Black Hawk 5's crash site. Lieutenant Barnes is patching it through. And Captain, as you can see, the rebels cleared the crash site. I think they just carted the Black Hawk away. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment bien et qui m'a surpris, en fait, c'est que... Ben, enfin voilà, Ghost Recon Advanced Warfighter 2, il sort un an après le premier. Enfin, je m'attendais vraiment à... Tu vois, une suite faite à la... Enfin, pas à la va-vite, mais vraiment à 1.5. En plus, ça se passe dans le même type d'environnement, même si c'est pas à Mexico City, tu vois, c'est à la frontière, mais quand même... Ça reste quand même l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, et c'est vrai que j'ai été vachement surpris, parce qu'en fait, les modifications de gameplay ajoutent vraiment un plus indéniable. On aura une caméra embarquée sur chaque support, que ce soit sur nos teammates, sur des hélicoptères, sur les drones, on pourra appeler cette caméra embarquée et on aura une vue 3D super précise de chacun de ces éléments-là. Donc ça va pousser les gens à utiliser leur support et vraiment à jouer de façon hyper tactique, en envoyant un support à droite, un autre support à gauche, à repérer en utilisant ces différentes caméras. Avant d'avoir vu le jeu, quand on me parlait du fait d'avoir la crosscom en plein écran, je trouvais que ça faisait vraiment feature mineure, ouais. Tu vois, autant en action en fait, mais c'est incroyable à quel point ça change tout. Bah, ce qui est amusant, c'est que tu peux même quasiment finir une mission sans toi-même tirer un seul coup de feu, et apparemment ça devrait même être un des achievements du jeu sur 360, où tu peux justement, enfin tu gagnes un achievement si tu laisses tes coéquipiers faire le boulot en leur donnant des ordres. On peut toujours jouer de façon relativement shooter, on va dire, en se laissant accompagner. Mais au contraire, en suivant son envie peut-être du moment, on peut choisir de se mettre à l'abri juste et de tout faire avec ses supports. Et là, les simplifications, on va dire, qu'on a mis en place dans la façon de les contrôler, peuvent changer radicalement la façon de jouer. C'est quelque chose qu'on essaie de récompenser par les achievements également. On va vous offrir la possibilité d'aller collectionner des achievements plus tactiques, on va dire, pour des gens qui vont s'amuser à retourner des missions uniquement en utilisant leurs supports, en utilisant leurs hélicos, en utilisant leurs teammates, pour justement pousser le joueur à jouer de cette façon-là. Je pense qu'en fait, le jeu, il t'offre plus de possibilités. C'est-à-dire que, déjà, au niveau des maps, t'as la possibilité, par exemple, de débarquer sur une scène de combat et de l'appréhender, moi j'en sais rien, mais en y allant directement, tu vois, en jouant du cover, en sortant ta mitraillette, en allant au contact, tu peux décider d'utiliser le décor, de monter en hauteur, tu vois, de monter sur un immeuble, parce qu'en plus, t'as pas mal d'éléments comme ça. Visible to the rebels. Please, sir, find cover. To the north, to the north.
qu'à certains moments tu peux diriger deux équipes différentes. Ouais. Et là je t'avoue que je me suis vraiment mêlé les pinceaux, c'est-à-dire que je savais pas quoi en foutre de ces deux équipes, tu vois. Ouais. Mais quand le développeur a repris la manette et que justement il a joué cette fameuse séquence où finalement il contrôlait la scène de bataille via ses deux équipes, oui, et via son hélico. Comme s'il était une tour de contrôle, voilà, et même plus un personnage, quoi. Là, ouais, tu vois l'intérêt. En y jouant, je me suis rendu compte que l'immersion, le sentiment d'être immergé, tu vois, dans les bottes de ton perso, ouais, c'était aussi important que le reste. C'est-à-dire que ça fait des trucs à la con, mais quand t'es derrière ton élément de couverture, le fait que les ennemis tirent sur ton élément de couverture, ça fait trembler la caméra. Tu sais pas si tu te fais toucher ou pas. Tu vois, le fait que dès que c'est la panique, tu vois, c'est tous tes coéquipiers se mettent à hurler, à te parler, à te faire plein de trucs, etc. Des émotions qu'on veut faire vivre au joueur, on veut soit le placer dans une situation de contrôle où il va vraiment maîtriser son système et parfaitement jouer avec, mais on veut aussi pouvoir le déstabiliser, on veut lui dire, et par moment lui balancer trop d'informations, et aussi en moyen de créer une certaine panique chez lui. Jongler, on va dire, et naviguer entre toute une palette d'émotions qu'on fait vivre au joueur est super important. C'est pour moi quelque chose qui fait la force, on va dire, et le sel du jeu. Vraiment, j'étais à fond dedans, quoi. Tu vois, surtout qu'en plus, c'est vrai que c'est des ajouts qui peuvent paraître mineurs, mais qui, encore une fois, renforcent l'immersion. Le fait que, l'heure avance en temps réel. Oui. Tu commences une mission en fin d'après-midi, tu la finis en pleine nuit, c'est relativement inconscient, en fait. Donc c'est ça qui est super, super difficile pour nos artistes, c'est qu'ils font des trucs qui sont assez réalistes, donc c'est relativement... inconscient à l'arrivée. Graphiquement, enfin, tu vois, quand il a lancé la première mission, j'étais presque déçu parce que ça te saute pas aux yeux, quoi, la différence saute pas aux yeux. Et en fait, c'est vraiment en avançant, tu vois, dans les niveaux, que d'un coup tu te dis, mais attends, mais les explosions, en fait, elles déchirent, ouais, mais la fumée, elle fonctionne super, voilà, bien. Un peu un warning quand on faisait exploser trop de trucs, ça commençait un peu à ramer, et donc voilà, fallait optimiser tous ces FX là. Greg avait mis au point un système pour vraiment avoir un champignon lors des explosions, comme ce qu'on peut voir dans une explosion atomique ou des choses comme ça, et ça utilisait énormément de particules pour avoir un bon mouvement. Donc comme on en a enlevé pas mal, on était obligé de remplacer ces particules par une texture animée. Donc on part d'une vidéo, en fait, on essaie de trouver la bonne référence vidéo, et après on récupère les frames qui nous intéressent
et on travaille l'animation pour la faire boucler parfaitement, pour pas avoir de saute dans l'animation et utiliser ça comme on veut dans le jeu, quoi. On a eu la physique qui permet d'associer à un objet, par exemple la grenade ou un hélicoptère, une force positive ou négative, et on a la possibilité de mettre sur les particules une sensibilité à ces déflecteurs. Et en temps réel, quand la grenade explose, elle génère un déflecteur qui est interprété par la particule de fumée qui réagit physiquement. Et on a aussi une grosse amélioration au niveau des particules. Une particule, c'est une face. Et une face, quand elle coupe la route, eh ben on voit la coupure au sol. Voilà. Et un des trucs qui nous a vraiment permis de franchir un cap, c'est qu'on a une nouvelle technique, c'est que le sprite maintenant est considéré comme un volume. Et quand on met une particule de fumée, si je la mets au sol, elle va être, déjà il n'y aura pas de coupure nette. Et en plus, la coupure, même si on peut éventuellement l'apercevoir, elle est sur un volume, elle est arrondie. Et quand on rentre dedans, on rentre progressivement dans la fumée, et quand on la dépasse, on en sort progressivement. Alors que dans tous les autres jeux, on s'approche, on voit toujours cette face au sol, et on voit que c'est juste un plan, un sprite. Et dès qu'on l'a dépassé, paf, ça disparaît d'un coup, parce que c'est passé derrière la caméra en une trame. Donc c'est vraiment l'état de subtilité qui passe pas forcément en screenshot d'ailleurs. Ça marche mieux, c'est ce qu'on s'aperçoit sur ce genre de jeu, c'est que ça marche mieux en vidéo que sur un screen, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à l'interaction de la lumière et du mouvement du temps qui passe. Une personne de la presse écrite qui, en voyant le jeu, nous a dit: est-ce que finalement l'orientation que prennent les Ghost Recon, c'est le photoréalisme? Et oui, effectivement, c'est la voie que nous suivons. Voilà, moi globalement c'est vrai que je suis vraiment ressorti content et assez conquis. Bon, alors évidemment on n'a pas vu grand chose du jeu non plus, hein. C'est quand même, ça reste 2-3 maps. Faut voir ce que donnera ça, ça donne sur la longueur. Non, puis surtout dans les vraies interrogations par rapport à Gros 1, c'est aussi par rapport aux maps en elles-mêmes. C'est-à-dire que moi dans Gros 1, je me suis quand même assez souvent senti limité par la petitesse des environnements. C'est-à-dire que dès que tu essaies de t'éloigner un petit peu du chemin forcé, tu te retrouves. Tu te retrouves quand même contre des murs invisibles et contre des barrières, et ça c'était vraiment chiant. Et puis même en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui était quand même un gros problème du 1, aussi bien pour tes coéquipiers, tu vois, que pour les ennemis, ouais. Clairement, tout ça c'est des questions qui restent en suspens, on ouais. Verra bien ce que ça donne au final, mais en tout cas, pour un premier aperçu comme ça, je suis vachement plus impressionné en fait que ce que je pensais. Par cet effort de mise en scène et cet effort d'immersion, ouais. D'immersion et de travail sur l'aspect tactique, vraiment ils ont réussi à renouveler un peu leur franchise. Je suis d'accord. Il y a vraiment ça peut être très bien, quoi. Sensation de renouvellement par rapport à Gros 1 et voilà quoi. Ça augure vraiment le meilleur. Ça augure le meilleur. Ouais. Et au fait, vous l'avez reçu le DFX Xbox Live? Ouais. Ça donne quoi? J'y ai pas joué moi. Quoi, y a Kevin qui a joué? Ouais. Et qu'est-ce que t'attends pour lui demander son avis? Là, tout de suite là? Ouais, carrément. Bon. Allez. Ouais, Blim, je t'appelle parce que Pipo veut savoir ce que t'as pensé de DFX, en fait. Alors, la première fois qu'il y a joué, il a trouvé ça nullissime et ridicule. D'accord, ça commence bien. En particulier parce que les contrôles à la base sont totalement injouables. D'accord. Contrôle de base. Il s'est forcé, en fait, à faire des vidéos pour le site. Il a été jusqu'au 6e ou 7e niveau, et là, ça devient un jeu du bordel, et il a commencé à bien s'éclater, quoi. Ah, voilà. Ouais. Mais pourquoi? Alors en fait, t'es dans une ville et tu te retrouves entouré de centaines d'ennemis qui te grimpent dessus, qui grimpent sur les immeubles, mais des ennemis géants, quoi, tu vois. Genre dans une mégapole futuriste, c'est du grand n'importe quoi, et tu fais tout péter. C'est génial! Voilà, en fait, au lieu de tuer l'ennemi, tu exploses l'immeuble sur lequel est l'ennemi, et en gros, ça fait pareil, quoi. Mais on passe son temps à tuer des fourmis, ou y a d'autres trucs, quand même? Alors après les fourmis, t'arrives sur des espèces d'araignées qui sautent partout, qui te lancent des toiles d'araignées, qui restent accrochées à toi, qui t'empêchent de bouger, tout ça. Oh,
Par contre, il a vachement aimé les ennemis robotisés, parce qu'après, t'as des ennemis, des gros robots, et visuellement, ça le fait pas mal, quoi. Yeah. Et en fait, il y a un niveau sur la plage après, t'as un immense robot qui est genre 50 mètres de haut et qui s'ouvre et en fait, il y a des robots qui en sortent, quoi. Ah, c'est débile. Ah, et en plus, le robot géant te lâche des vaisseaux volants, donc... Super. Ah d'accord, alors il y a un dragon géant à la Godzilla aussi. D'accord. De mieux en mieux. De mieux en mieux. 50 ou 100 mètres de haut, d'accord. Donc en fait, t'es contre le Godzilla de 100 mètres de haut et en hélicoptère. Ah d'accord, les contrôles de l'hélico sont insupportables par contre. Alors t'as aussi un tank et un mecha. Ils sont ultra puissants, hein. T'as des grosses armes dessus, mais ils sont tous aussi injouables que l'hélico ou... Ah ouais, d'accord, ils sont tous aussi injouables, d'accord. D'accord, donc en fait la réalisation globalement elle est super cheap, mais en fait des fois, même si tout est cheap, y a des moments qui sortent du lot où tu te dis ah quand même ça le fait pas mal quoi. Quand ça explose dans tous les sens, tu vois plus rien, c'est un bordel pas possible, enfin c'est... Ah, et en plus, il y a du coop qui est vachement sympa. Voilà. Excellent. En split screen et en online. Ah, donc vraiment. Pas de online en fait. Qu'en split screen, voilà. D'accord. Ouais, donc au final, il a passé un bon moment, quoi. Donc au final, t'as passé un bon moment. Grave, voilà. C'est pas le jeu du siècle, mais visiblement, c'est l'éclate, quoi. Bon, cool. Bah merci, Blim. Bah écoute, hein, je te rappelle si Pipo a d'autres questions. Ok. Allez, salut, bonne journée. Ciao. Bah voilà.